Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobagourou. Je suis de retour dans Conarium. On va continuer l'histoire. Il va falloir que je cherche un cristal et que je passe à travers tous les puzzles pour avancer. C'est pas compliqué, mais ça reste des challenges, ça reste de la réflexion, toujours dans cette ambiance angoissante. Allez, en avant. Bon, donc je vais devoir me débrouiller de trouver des cristaux à première vue. Comme il y en a à chercher, ça je ne le sais pas. Ah ben oui, attendez. Pour avoir compris. The crystal I have doesn't fit here. D'accord. Donc peut-être que le cristal moi que j'ai trouvé, il va là-bas. En avant. Bon, heureusement qu'on peut courir hein, et qu'il n'y a pas de barre d'endurance. Voilà. C'est ce que je pensais. Des momies. From some of the bas reliefs explored in the seemingly oldest structure, which had been weathered into shapeless ruins ages ago, we learned that these reptilian creatures were the inhabitants of this eon dead city. But while some of them were enshrouded in special coffins, these are standing still, glued to their vertical rock coffins with an awful-looking ooze. Curiously, they were firmly placed in the niches on some of the walls. Ne dites pas qu'il faut que je... Non. These ivy-like plants are blocking the way. Bon. The same set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. The symbol on this stone is illegible. There's no glyph on this stone. Bon, eh bien on est reparti pour un puzzle difficile. The symbol on this stone is illegible. Donc. I don't remember this symbol. I don't remember this symbol. That glyph doesn't ring any bells. Ça peut-être. Hmm.
This symbol is exactly the same with the one I saw in the vision about repetition of specific symbols within the caverns below the base. Bon, alors, où est-ce que je dois aller placer? Ah ben oui. Évidemment. Logiquement, je dois aller le mettre là-bas. Sésame, ouvre-toi ou pas. Zoro à l'envers. Et je le mets où lui? A vision, perhaps? Oh, I think somehow it has something to do with the intense headaches. Oh. Si vous aimez avoir peur, vous pense que vous allez vous régaler avec ce jeu. Blood. Alors vous voyez, il y a quand même un souci avec la torche. Hein. Bon, donc là je peux toujours pas rentrer. Je trouve un moyen, mais je sais pas par où je dois aller. Bon, on est d'accord que c'est le cristal. Alors, on va tenter un truc. Ah. Et oui, parce que si j'ai pas le cristal, je peux pas. Logiquement, je ne peux pas accéder à la deuxième pièce. Puisqu'il y a des lianes, je ne sais pas, des ronces. Et que là, vous voyez, il y avait nulle part où planter un truc. Donc, ça doit être logiquement. Voilà. Oui.
Alors, je suis devant un puzzle, et à mon avis, bah, c'est ce que je dois faire. Ouais, mais vous êtes gentil, vous, là. Il y a un sens en plus, vous avez vu? Mais c'est court! D'accord! Eh ben, c'est du vieil ascenseur, hein. Ça manque de lumière ici. Impressionnant. Vraiment. Alors le problème, c'est que comme souvent, ben, ça complique la vie pour les puzzles, alors que ben, les choses sont assez simples. This stonework seems weak. Wow, on est reparti dans des dédales. Alors je sais que la pierre elle est vide, elle a plus d'énergie et vous pouvez le voir pour le moment.
il n'y a rien, donc il va falloir probablement que je parte par là-bas pour aller activer une zone. Un projecteur bleu là. Oula. On dirait que ça fond. Bon, mais écoutez, je vais en arrêter là pour cette vidéo. Ouf. Ouf, 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 ouf. Je dirais que comme Get Even, c'est pas de la, du pur horreur. Mais il y a cette atmosphère angoissante. Ces flashs. Ces hommes serpents. Ces fantômes. On a saigné une fois. Est-ce que... est-ce qu'on va se retrouver sur un plan avec eux, dans une, un endroit, un espace-temps? Bonne question. Beaucoup de questions. Mais, waouh. Intéressant. Vraiment intéressant, surprenant. Et je pensais pas que, que ce jeu serait aussi bon, en fait. Et je vous invite à le tester. Y a y jouer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut, bye bye.